Let's go. Ni la haine, ni les chaînes, rien ne les arrête. C'est la force du présent, des siècles durant. Quand les dinos de mer reviennent sur terre. Power Rangers go, Power Rangers go. Vos pouvoirs vont parler à nouveau. Power Rangers nos protecteurs. Quand les forces du mal donnent l'assaut. Quand les dinos de mer reviennent sur terre. Power Rangers go, Power Rangers go. Vos pouvoirs vont parler à nouveau. Power Rangers go, Power Rangers go. Quand les forces du mal donnent l'assaut. Doucement toi. Oh non, tu n'échapperas pas, espèce d'horreur intergalactique. Ouais, dans le mille. Dis donc, Ethan, on ne gêne pas trop. Et maintenant, j'arrive au niveau 12. Qu'est-ce que t'as fait? Tu nous casses les oreilles et on aimerait bien pouvoir se parler. Mais j'ai dû bagarrer 3 heures avant d'arriver à ce niveau-là. Désolé, mais j'approuve Connor dans l'histoire. On a des maths pour demain. Alors pourquoi tu ne fais pas ton devoir? Bah, c'est déjà fait. J'ai travaillé avec Trent pendant que vous deux, vous vous preniez pour David Beckman et... Non, alors attention. Rassure-toi, je l'aurais pas dit. Où est Trent, au fait? Il devait travailler aujourd'hui. Ellie lui a donné sa journée. Ouais, à ce qu'il paraît, ce brave Trent a un point à éclaircir. Je sais que j'ai pas rêvé. Ça se trouvait par ici. Oh oh. Trent? Trent! Je peux faire quelque chose pour toi? Il se passe des choses dingues ici. Je suis passé à travers une sorte de passage interdimensionnel. Je dois t'avouer que je m'inquiète pour ta santé. Tu travailles beaucoup trop d'heures dans ce cybercafé. Tu ne raisonnes plus normalement. Je pense que tu as besoin de voir mon médecin. Non, laisse ton médecin. Je veux une explication. Et je crois que je le mérite bien. Comment peux-tu me parler comme ça? C'est totalement inacceptable de parler de cette façon à son père. Et tous ces autres projets auxquels t'es mêlé? Il se passe des choses bizarres ici, papa. Il faut savoir avant tout que tout ce que je fais ces temps-ci, c'est pour le bien de l'humanité. Je te promets de tout te révéler bientôt. Patiente un peu. Ah oui, vraiment? Quand? Quand tu seras prêt. Quand je mourrai, c'est toi qui hériteras tous les biens que j'ai réunis. C'est une grande responsabilité, tu sais. Et il faudra bien t'y préparer avant. On commencera bientôt, d'ailleurs. Allez, pourquoi tu ne vas pas nager un peu? On a la plus jolie piscine de la ville et tu n'y vas jamais. Elsa, je viens d'avoir une idée pour la prochaine horrible créature. Je pense que Mesogog appréciera beaucoup. Ah, bravo. C'est bien de toi d'envoyer quelqu'un faire ton travail. Je pourrais me débrouiller seul, mais cette créature... Les créatures sont aussi peu efficaces que toi. En tout cas, moi, j'ai un plan. Toi, t'en as un? Ah oui, bien sûr, j'en ai toujours. Non. Mais les miens sont beaucoup plus raffinés. Et beaucoup plus dangereux, surtout. Vous allez voir qu'on peut même trouver des pièces intéressantes sur le terrain. D'accord, on y va. Docteur Oliver, puis-je avoir la permission de filmer les fouilles aujourd'hui et ce qui se passera? Je pense que ça sera utile à ma carrière de journaliste de travailler sur les sujets passionnants que sont la nature et la science. Mais attends, je croyais que t'avais dit que c'était long et ennuyeux. Non, tu mélanges tout. Là, je voulais parler de nos conversations. D'accord, je t'autorise à tout filmer, Cassidy. Docteur Oliver? Madame Randall? Vous jouez une pièce? Non. J'ai prévu d'aller avec vous, si vous le voulez bien. Je ne savais pas que les vieux os vous intéressaient à ce point-là. Vous seriez surpris d'apprendre ce qui m'intéresse vraiment. Oui, je n'en doute pas. On y va? Oui, le bus doit attendre là-dehors. Et vous allez me raconter de fascinantes histoires de fossiles en chemin. Regardez ce que j'ai trouvé. Oh! C'est un trilobite. Ça date de l'ère paléozoïque. On peut dire qu'il remonte à 300 millions d'années environ. Ça, c'est bizarre. Franchement, je ne lui aurais donné que 200 millions. Je vais vous aider.
et merci. Oh, mais de rien. Ouvre-toi, petite fleur, allez, montre-moi tes beaux pétales. Dis donc, t'as vu ça? La principale est en train de draguer le docteur Oliver. Oui, regarde. Quoi? Ça va, merci. Tu veux rire, Randall? L'amour éclatant s'étale devant tes yeux et toi, tu vois rien du tout. Pour être franc avec toi, je serais très étonnée que Randall soit capable d'aimer quelqu'un. Mais justement, ça sera encore plus intéressant à raconter et la rumeur va vite se répandre partout. Oui, mais tu m'avais demandé de repérer une fleur qui allait s'ouvrir. Oh. Attends, voilà, comme ça elle est ouverte. Ma fleur! Allez, amène-toi, je vois déjà la une, le scandale Randall, on va se régaler. Hé, venez voir ça. Regardez, c'est quelque chose de bizarre. Ah ouais? Fais voir. Je vous remercie, ça ira. Docteur Oliver, excusez-moi, on a besoin de vos lumières. Ethan pense avoir trouvé un Morphosaurus. Intéressant, c'est bon, j'arrive. Excusez-moi. Où est-il? Tenez, ça ressemble bien à un œuf de dinosaure. Doucement. Oh, une grande découverte, c'est très excitant. On ne sait pas encore ce que c'est. C'est un œuf préhistorique en tout cas. Je peux regarder. Mais c'est... Oh, mais ne vous inquiétez pas, je ne le casserai pas. J'ai très envie de la porter à l'école pour l'examiner. Bonne idée, oui. Tenez. Devin! Attends, où as-tu l'intention d'aller? On tient une exclusivité ici. Oui, c'est vrai. Dépêche-toi, secoue-toi un peu. Bien joué. Tout va bien? Oui, je crois. Il vaut mieux repartir à l'école. Attendez un peu, voulez-vous m'expliquer d'abord où vous avez appris à vous battre comme ça? Au cours de karaté. Oui. Ouais, voilà. Et on enseigne ça à l'école? Ça, je n'en sais rien. Je suis nouveau ici. T'arrives à quelque chose? J'en sais rien. C'est pas normal, docteur. Je ne détecte aucun signe de vie. C'est bizarre. C'est pourtant un œuf de Dimétrosorde, je crois. Un Dimétrosorde? Oui, c'est un voisin proche du Dimétrodon. C'est très surprenant. Ça explique pourquoi les tyrannodrones le voulaient. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pas faire dans la vie? Alors, où il est cet œuf? Oh! Te voilà, mon petit œuf adoré! «
C'est anormal. Les appareils signalent toujours une source de chaleur là où on a trouvé l'œuf. Pourtant, l'œuf n'y est plus. Peut-être bien qu'il y en a d'autres. Je ferais bien d'aller vérifier. Vous, vous restez ici pour analyser celui-là. Oh, je n'y crois pas encore. Je vais avoir mon propre dinosaure. Obéis-moi. Éveille-toi, ma beauté, et deviens formidable. Oui, éveille-toi. Allez, fonce et anéantis-les tous. Zeltrax, je savais bien que ça sentait mauvais. C'est la future odeur de ton cadavre qui va pourrir. Je n'ai pas le temps de parler avec toi. Au toit de mon chemin, j'ai bien plus important à faire. N'y pense plus, parce que cette fois-ci, tu n'échapperas pas à ta fin. Parfait, mais c'est toi qui l'auras cherché. Dia. Dino, tonnerre, à moi le pouvoir. Regardez ça, ça m'étonnerait qu'il y ait un dinosaure là-dedans. En voilà un. Mais d'où il sort? Ouvre-le. Hein? C'est pas du tout ce que vous espériez, hein, Roger? J'en ai assez d'entendre les méchants rire chaque fois qu'on les rencontre. Ouais, c'est insupportable. Et comment il fait ça? Il est en train de tout détruire. Il faut faire quelque chose. Venez. Prêt? Prêt. Dino tonnerre, à moi le pouvoir! Le voilà! Oh non! Courage, accroche-toi! Si tu veux éviter le pire, ne t'approche pas d'elle! Quoi? Mais de qui? Ça fait longtemps que je rêve de cet instant. Lance Krakio! Rafale fatale! Rétro-mutation! Quel est son problème? Tout-puissant Mesogog, j'étais sur le point d'éliminer le Ranger Noir. Alors tu cachais ton jeu, j'ai vu le contraire. Oui, cette fois encore, le Ranger Noir était sur le point de te ridiculiser. Et à ton prochain combat, je te conseille de laisser ton incroyable jalousie de côté si tu comptes gagner. Ma jalousie, mais comment ça? Je choisirai plus tard le châtiment à t'infliger. Le nouveau dinosaure est en train de créer de gros ennuis au Ranger. Envoie-lui du renfort sans perdre un seul instant. C'est une occasion en or que tu as là. Oui, grand maître. À tes ordres. Ah. Vas-y, Tyrannosaure. Oui. Il est parti! Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore? Cible localisée. Oh. Qu'est-ce qu'on peut faire? À nous les dinosaures! On y va! Ouais. D'accord! Yeah.
tu me fais peur. À toi, Kira. Terra, boomerang. Capra, oh non. Pince, Tricera. Votre adversaire est bien trop puissant. Il faut une arme qui percerait son armure. Quelle arme? Une lance pointue ou une scie. Oui, une minute. Vous allez utiliser le Dimétrozord. Quoi? Le dinosaure que vous avez affronté. Attendez, je vous fais remarquer qu'il n'est pas vraiment de notre côté. À moi de voir si je peux modifier ça. Je dois me concentrer. Yeah! Retourne tout de suite te battre! Bravo, pas de quartier. Ça marche. Ah ouais, et il obéit. Oui, bien joué. Combinez-vous avec lui. Vous avez vu ça? Super! Oh, cette fois, vous m'avez mis en colère! Eh mais attends, c'est pas fini! Dimétro, si! Pleine puissance! Félicitations, ça fait un autre dinosaure qui est tombé entre les mains des Power Rangers. Je ne sais toujours pas lequel de vous deux je vais punir le premier. Punis-moi, maître, c'est moi le plus responsable. Ça, c'est vrai. En tout cas, moi, j'ai fait bien progresser mon plan, qui consiste à gagner la confiance d'Oliver. Oui, c'est exact, j'ai vu ça. Mais ton travail n'est pas encore fini, je te signale. Je veux que tu deviennes proche de lui. C'est grâce à lui que tu atteindras les autres. Je hais cet homme. Oui, il est trop... gentil. Il doit bien y avoir un autre moyen. Ça, c'est curieux. Je ne me souviens pas avoir demandé ton opinion. C'est vrai, oui, maître. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je vais gagner son estime. C'est ça. Allez-vous-en tous les deux, disparaissez de ma vue. Oui, maître. Attention, t'es prête? Ça va être à toi. Je compte. 5, 4, 3. Ici Cassidy Cornell avec un bulletin spécial. J'ai découvert par hasard qu'il y avait une super-héroïne qui travaille dans cette école. Oh. Mais oui, sachez que Madame Randall a affronté de dangereuses créatures préhistoriques en faisant preuve d'un courage impressionnant. Et j'étais là pour vous rapporter des images assez surprenantes. Magneto, s'il vous plaît. Mauvaise cassette. Je suis désolée de ce contretemps. Il semblerait que nous ayons un petit incident technique. Et j'y peux rien. Clark, attachez-moi vite ce lacet. Madame Randall, vous allez bien? Oui, merci. Vous avez bien tenu le coup hier. Je crois que j'ai eu tort de m'inquiéter pour vous. Vous vous êtes inquiété? Pour moi? Bien sûr. Je crois bien entendre sonner, docteur. Votre prochaine classe ne se fera pas toute seule. Oui. Ou plutôt, non. Bon sang, cette femme est glaciale. Oui, mais n'oublie pas que le docteur O est un fou de vieux fossiles. Tais-toi, sinon ça finira mal. Je trouve qu'il formerait un beau couple. Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez classe, non? Oui, mais vous pourriez nous faire un petit mot d'excuse. Allez, vous plaisantez, j'espère. Ah non, pas du tout.